Mais voilà qui se lance pour le QNB, prix de l'abbaye de Longchamp avec le numéro 7, Marais, qui est resté dans sa stalle et qui a perdu pas mal de terrain. Guerre également, qui est à l'arrière-garde à cet instant. En revanche, le numéro 18, Côté Glory, a pris un très bon départ, accompagné par le numéro 6, Stepper Point, en troisième position. Goken, qui vient encore avec le numéro 17, Sir Maximilian, alors que le numéro 12, Hot Strike, vient également devant 4 calls à l'extérieur, accompagné encore par le numéro 9, Takeover. Quant au favori, Soul Power, il est toujours au centre. C'est la casaque blanc et rouge qui vient également en 7 ou 8e position. Et Godstrike maintenant qui passe à l'offensive à son extérieur, Stepper Point qui est déjà sollicité, l'un des deux ans, Kotaï Glory, Kazako Rose est en quatrième position avec Goken qui tente de progresser tout à l'extérieur. Autre chance française, c'est Cat Cole qui est pour l'instant à flanc de peloton. Et puis nous avons Rangali, un représentant français qui vient de prendre maintenant l'avantage. Ouais, Rangali de plus en plus fort qui maintenant a pris l'avantage et tente de réaccélérer. Rangali qui a le meilleur Movista également qui tente de revenir pour l'instant à la corde avec Rangali Movista pour la victoire. Rangali Movista également ainsi que Spirit Quartz, le numéro 3 qui a remarquablement terminé complètement à l'extérieur. Il y aura photographie certainement pour le succès avec le numéro 1, Moving Time également qui a très bien conclu. Alors là, c'est très serré entre Moving Time, le numéro 1, Rangali. Le français à l'extérieur, le numéro 3, Spirit Quartz. C'est l'As qui s'impose, Moving Time, le numéro 1 qui s'impose ici dans le prix de l'abbaye de Longchamp. Moving Time qui s'impose tout à la fin. La deuxième place, Rangali peut-être ? Oui, Rangali deuxième, et après on le aura 10. Une photo entre Spirit Quartz. Il y a le 14 aussi, Moviesta, la photo. Ouais. Et Moviesta.